Bonsoir fanatique Club Ladio, bienvenue avec nous dans la vidéo ça. Nous allons faire un petit parler de Barcelone Celta de Vigo. Barcelone qui a gagné pour recevoir l'équipe Celta de Vigo. C'est dans la Liga Santander là, dans le cadre 8e journée fanatique. Match bon ça, nous allons gagner pour le dérouler jeudi, qui c'est dimanche 9 octobre 2021. C'est à côté de 3h pour ou même qui n'a pays d'Haïti. Bladi a bien présent dans rencontre ça ou déjà connaît qui côté ou va regarder rencontre ça avec Bladi et tout pour mettre fanatique Théodore avec Karlens Dorval qui va vivre des minutes sous fanatique football aujourd'hui dans match Barcelone Celta de Vigo. Qui te rappelle et fanatique nous connaît déjà et Barcelone lui-même qui déjà joué 7 journées et fanatique qui brale la sous 8e journée là face à l'équipe Celta de Vigo. Nous capable dit fanatique dans 7 journées déjà joué Barcelone lui-même lui fait 6 victoires et yon matil en mal à reprocher pour l'équipe Sila qui c'est Barcelone fanatique qui en deuxième dans moment a fait vidéo ça t'aller comme ça il capable passer en première position si toutefois l'Italie équipe Celta de Vigo et qui nous rappelé et fanatique Celta de Vigo déjà arrivé 7 journées même déjà avec équipe Barcelone nous sommes capables de dire qui fait 3 victoires fanatique équipe ça fait un match 3 défaites fanatique Celta de Vigo qui en 11e non on a fait vidéo ça avec 10 points fanatique football qui ça nous penser des matchs ball ça qui c'est Barcelone Celta de Vigo, est-ce que nous est Celta capable de faire causer dans quand nous aujourd'hui sous équipe Barcelone malgré nous connaissons c'est pas un bagage qui va facile mais c'est football les amis tout jouer pas beaucoup d'équipe Barcelone yo vraiment motivé pour capable de retourner pour être classement dans l'équipe Real Madrid là et pas beaucoup d'équipe Celta de Vigo nous capable dire mais c'est vraiment motivé aussi tout pour capable empêcher équipe Barcelone pour un tête classement la Liga à Santander. Nous allons passer rapide vite dans la statistique d'équipe qui c'est Barcelone Celta de Vigo pour nous capable commencer avec Bladi. 5 dernières rencontres d'équipe capable à loin exactement comment ça a déroulé avec Bladi. 70 victoires pour l'équipe Barcelone déjà, 27 victoires par beaucoup d'équipe Celta de Vigo, 31 matchs entre eux-mêmes. Ou même quittant des vidéos ça jusqu'à ce moment-là, fait calcul là, quittez là en commentaire pour Bladi. Quittez nous les résultats 5 dernières rencontres d'équipes en Silaio, 27 juin 2020. Celta de Vigo te recevra équipe Barcelone. Match ball ça te fini de goal partout. 1er octobre 2020, Celta de Vigo te recevra équipe Barcelone. Match ball ça te fini 3 goals à 0. C'était en faveur équipe Barcelone. 16 mai 2021, Barcelone te recevra équipe Celta de Vigo. Match ball ça te fini. De goal à 1, c'est en faveur équipe Celta de Vigo. 6 novembre 2021, Celta de Vigo, c'est l'équipe Barcelone. Match ball ça a été fini. 3 goals partout. 10 mai 2022, Barcelone de Vigo, c'est l'équipe Celta de Vigo. C'était dernier juin, 21 juillet pour 2021. C'était Barcelone qui a fait victoire pour 3 goals à 1 sous équipe Celta de Vigo. De n'a contrôlé dans 5 dernières rencontres d'équipe Silaio Fanatico. Nous, équipe Barcelone, lui-même, lui fait 2 victoires, 2 matchs, yon défaite. Tandis que équipe Celta de Vigo, lui fait yon victoire, 2 matchs, de défaite. Qui s'est abonné pour nous, pour rencontre qui va dérouler jeudi, qui c'est dimanche 9 octobre 2021 à côté des 3h, les pays d'Haïti. Est-ce que nous, équipe Barcelone, déjà paraît favori pour gagner un compte ça? Ou même qui t'a remis par le pronostic match ball ça, ou capable de faire passer dans un commentaire. Qui t'a loué avec Bladi, Lisa Juezavi, convoqué pour équipe Barcelone qui pour recevoir équipe Celta de Vigo dans la Liga Santander dans le cadre
8e journée fanatique football yo. Avant de passer l'islam pour fanatique yo, qui rappelle nous gagnons Frère Kide Dion qui déjà retourné là dans liste joueur qui convoqué pour équipe Barcelone puisque nous connaît Frère Kide Dion n'est pas capable présent pour équipe Barcelone dans le cadre de 7e journée. Raison c'est parce que Messi lui-même était arrivé blessé pour équipe et Barcelone. Toujours un Ronald Araújo qui absent fanatique. Nous connaissons si un paquet moins ambitieux lui-même l'a passé de haut terrain. Sans oublier Memphis Depay. Nous avons Andreas Christensen qui entre dans liste moun qui blessé pour équipe Barcelone. Puisque Andreas Christensen n'a pas fini jouer rencontre là pour équipe Barcelone face à équipe Inter de Milan dans phase de poule Ligue des Champions dans le cadre de 3e journée à côté Barcelone t'a perdu rencontre ça pour un goal à 0 semaine qui a venir nous connaissons si balle retour nous pas connaît comment ça va aller pour équipe Barcelone en aller dans moment n'a pas dit là moun qui convoqué pour équipe Barcelone Marc-André Ter Stegen Piqué, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Pedri, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frankie De Jong, Rafinha, Eric Garcia, Peña, Balde, Casado, Gavi, Pablo Torres, Chadi Riyad, Tenas, Vrala, Silis, Joesayo, Zavi, convoqué pour équipe Barcelone, qui pour recevoir équipe Celta de Vigo, qui s'en pensait des matchs Bolsa fanatique, Jean Zoulan. Est-ce que vous déjà oué qui équipe qui paraît favori, qui pourra gagner rencontre ça, jeudi en là, entre équipe Barcelone, équipe Celta de Vigo. Ou même qui t'a remis par pronostic là, fais le passer dans un commentaire. En absence de plusieurs joueurs pour l'équipe Barcelone, d'après Bladi, moi, équipe Barcelone paraît favori pour gagner rencontre ça. Rencontre là, lui-même, la finie de Gola 1, c'est en faveur équipe Barcelone, ça c'est pronostic par Bladi. Tout à remis pour la passer. Fais le passer dans un commentaire. C'est là, campé avec vidéo ça, ou même qui remet pas oublier qui donne like sous les boules à dire, capable toujours encourager nos côtés informations avant match ball et nous là pour nous faire vivre match football. C'était un plaisir. Rendez-vous, c'est pour tout de suite après ou dans l'autre vidéo.